Le premier enseignement, c'est le retour glorieux de Jésus-Christ auprès de son Père. Jésus a fini son mandat ici sur cette terre et voilà, de bon cœur, il retourne auprès de son Père. Il n'a pas cherché, comme nous aimons le dire au Congo, à faire un glissement. Jésus n'a pas glissé. Jésus n'a pas prolongé indûment et injustement son mandat sur cette terre. Mission accomplie, on s'efface et on laisse le temps aux autres. N'ayez pas peur, disait le pape Jean-Paul II. N'ayez pas peur. Et tous ces êtres mortels, ces êtres humains qui essayent de vous faire peur, ne sont que de mortels comme nous. Et ils finiront tous dans le cercueil comme nous. Au niveau du pays, le pays va très mal. Le Congo va mal. Et qu'on ne vous trompe pas. Il y en a qui vous tiendront des discours en vous faisant voir que vous êtes au paradis. Si c'est ça le paradis, le Congo d'aujourd'hui, je ne veux pas aller au paradis. Au niveau de notre province de Kwilu, mais rien qu'en faisant le voyage jusqu'ici, nous constatons que notre province a beaucoup de défis à relever. Et la réalité sociopolitique de notre province ecclésiastique nous inquiète énormément. Elle est caractérisée notamment par des tensions entre les différentes couches de la population, qu'est des divisions entre nous dans nos provinces administratives. Nous passons le plus clair de notre temps à nous diviser. Or, Jésus nous avait prévenu, un royaume divisé est un royaume qui va à sa ruine, à sa perte. Comment pourrons-nous développer l'ensemble de notre province si nous excellons dans l'esprit des divisions? L'ensemble du pays souffre, mais si nous regardons la réalité de notre province, il y a tellement de misère. La corruption à ciel ouvert, le banditisme urbain, l'état de délabrement très avancé des routes, nous l'avons fait. Si on ne prend pas garde d'ici deux saisons de pluie, la route de Kinshasa va se couper. Vous agents de l'État devant votre porte pour demander des taxes. On nous fait des promesses alléchantes. Et l'année prochaine, il y aura des élections. Il n'y aura pas de glissement. Il y aura des élections. Et ces gens-là vont venir ici pour vous tenir encore des promesses et vous allez les applaudir et leur donner votre voix. Depuis toutes les promesses qu'on nous avait fait miroiter autour de la prof et de la construction du barrage de Kakobola. Où est l'électricité de Kakobola? Et demain, à l'approche des élections, ils reviendront avec des projets pour dire, voilà, nous voulons terminer le projet. Vous êtes un peuple respectable et on doit vous respecter. On ne doit pas vous tenir des discours farfelus, des discours insipides et le lendemain, votre misère continue. Nous n'acceptons pas ça.